C'est une semaine qui se déroule au même moment que la semaine mondiale de la vaccination. La semaine africaine de la vaccination sous les auspices de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a pour objectif de rappeler le rôle primordial que jouent les vaccins pour protéger les enfants et même les adultes des maladies évitables. Cette année, le thème de la semaine africaine de la vaccination, c'est humainement possible. Le mot clé qui va avec, c'est la vaccination pour tous. L'idée derrière, c'est que chaque individu, quel que soit son âge, puisse vraiment bénéficier des vaccins pour d'abord sa bonne santé, mais également pour son bien-être. Tous les vaccins sont donc concernés car le but étant de toucher le plus grand nombre en étroite collaboration avec le ministère gabonais de la Santé. Alors, l'OMS travaille en collaboration avec le ministère de la Santé, notamment dans le renforcement de la vaccination de routine, dans les activités de vaccination supplémentaires, mais également dans les campagnes de vaccination de masse. Parce que la vaccination est un excellent moyen de prévenir les maladies, l'OMS adopte cette stratégie chaque année pour limiter les dégâts. De nos jours, dans la région africaine, on a constaté l'émergence de certaines maladies telles que la diphtérie, la rougeole, la fièvre jaune, la rubéole. Et donc, pour prévenir ces maladies, il faut vraiment que les enfants, il faut que les gens soient vaccinés. Donc, nous mettons l'accent sur la vaccination parce que la vaccination a été montrée, c'est vraiment efficace pour prévenir ces maladies. Du 24 au 30 du mois en cours, cette intense semaine va être animée par les campagnes de vaccination et de sensibilisation dans les structures de santé à Libreville comme à l'intérieur du pays.